Et nous, cool, ton putain de projet, Eddie. On n'a rien sans risque. Si t'es pas capable de comprendre ça, change de métier. On donne tout. Il nous prend pour des cons. Les gens comme lui, ils en ont jamais assez. C'est un truc comme ça. Ça se fait à deux. Eddie, c'est du passé. Tu t'en débarrasses. T'as peur, hein? Bien sûr, j'ai peur. On peut pas faire ça. On n'a pas le droit. On arrête tout. On ne vous a jamais demandé ça, putain, jamais! Et enfin, un nouveau chantier. 25 hectares face à la mer, à transformer en habitat individuel pour Bobo. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Anaïs reste majoritaire. Je veux tout ou rien. On va s'en sortir, on va laisser toute cette merde derrière nous. Maintenant, c'est à nous de faire attention, de ne pas éveiller les soupçons. Qu'est-ce que tu fous là? On s'était mis d'accord, non? Moi, je suis venu vous prévenir, les gars. Il vous faut quelqu'un pour la sécurité. Associé. C'est nous qui cherchent depuis le début, il nous tire par les couilles. Tiens, qu'est-ce que tu fous avec Anaïs, toi? Non mais dis-nous, t'es quoi? T'es un pervers, ça? Fais-te calme. Non mais tu dégages, maman. C'est quoi d'autre sur nous? Complique pas les choses, s'il te plaît. Pancolaine, t'as peur qu'il parle ou tu veux carrément qu'il se taise? José, c'est mon frère. Tu m'as trahi. Tu veux faire quoi avec cet homme? Je sais des choses. Ça leur fait peur. Je vais pas me laisser faire. Et s'il nous balance, il a plus rien à perdre, s'il raconte. Je suis l'équipe de surveil et de contrôle. Vous allez voir, je vais vous soulager. Si je suis pas d'accord avec toi, tu m'envoies Moïse, c'est ça? T'es venu t'incruster là, nous sucer le cerveau comme un putain de virus. Je te jure, je vais tout balancer. On va tous plonger. Il est prêt à tout, là. Pas chier, toi, bordel de merde! Je voulais pas, putain, je voulais tout arrêter!